c'est le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Oh yeah, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, Noxzemon, extinction. Oh yeah! On remercie P-Cube de nous avoir envoyé le jeu. P-Cube. Grow Interactive. Yo! Noxzemon, extinction! Appuie sur n'importe quelle touche pour continuer. Les gâchettes ne fonctionnaient pas. Rien, c'est pas le bon nom, là. Humains et Noxzemon. Ensemble, nous avons prospéré pendant de nombreuses générations. Ensemble, nous nous sommes levés contre toutes les difficultés. Ce monde est construit sur des millénaires d'amitié, de loyauté et d'amour. Et ça, c'est ce que les imbéciles aiment à croire. Dans le temps mémoriaux, les Noxzemon, Nicron était son nom maudit. Cette monstruosité a conduit ses frères dans une grande croisade contre toute l'humanité. Les fléaux Noxzemon a tenté de nous faire tomber dans l'oubli. Et nous avons tenu bon. Un groupe de braves héros a trouvé le moyen de déjouer Omnicron. Ils ont devancé ses propres enfants en les retournant contre lui-même. Nous avons réussi à tuer le roi des monstres et à défier la roue du destin. La victoire était à notre portée. L'héritage d'Omnicron est maintenant stérile. Rien d'autre qu'un triste murmure dans le vent. Enfin libérés de ses entraves, les Noxzemon sont devenus nos compagnons pour la vie. Notre monde, notre peuple et notre avenir sont tournés vers un avenir radieux. Jour-là, jamais venu. Car le véritable ère de l'extinction fait que commencer. Ah, regarde cette vue. Dis-moi, c'est quoi ton nom déjà? Oh non! C'est Caribou! Caribou, c'est ça? Ça a l'air super bon. Te voilà, regarde. Là, tu es dans le dirigeable. Ouais, c'est toi. Bah. T'inquiète pas, jeune fille. Ça va bien se passer.
Je ne crois pas mes yeux. Comment sommes-nous arrivés là? Pourquoi ça arrive? Haribo, cette fille nous a tous trahis. Tout ce qu'on a construit, tout ce que pour quoi on s'est battu. Une telle puissance. Brute. Des cruautés absolues. La fin des temps est proche. Amélie, on doit battre en retrait maintenant. Ça ne vaut pas le coup. Silence, Edouard. Écoute-moi, écoute bien. Si on doit sauver notre planète, Caribou doit être anéanti. Soutenez-moi, grand et fier, contre l'incarnation du mal. Notre peuple va se lever tandis que Caribou tombera. Je te pardonnerai jamais. T'as tous condamné Caribou, maudite morveuse. Je le savais. Qu'est-ce que tu fais ici, Caribou, aujourd'hui? C'est le grand jour. C'est quel jour on est, n'est-ce pas? Le jour. Quoi? Sérieusement, tu plaisantes? Comment c'est possible, Caribou? Aujourd'hui, on devient des vraies dresseuses, voyons. Les autres sont déjà dehors, Caribou. Dépêche-toi. Va prendre des provisions dans la réserve. Moi, tu peux... Mais où elle est? Wow, Nora était vraiment énorme contre toi, mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est le grand jour. Tu vas devenir des dresseurs de la guilde, c'est cool, non? Une idée. Ce n'est pas ça. Ouais, tu es censé obtenir ton premier nez Xenomone. Je suis encore trop jeune pour ça, mais l'année prochaine sera mon tour. Ah oui, un coffre là. Tu as trouvé une pomme. Ah. Je vais trouver 50 pièces. Pêche, il va emmener fou sans pas. Et vous, tu n'aurais-tu pas être dehors? Ah, dépêche-toi. Je vais trouver 5 dollars. Bon. Oh! Dépêche pas, ils vont commencer sans toi. Dépêche, ils font la quête de l'eau. Peut-être qu'une fois tu seras une dresse, tu vas les rejoindre. Je vois qu'on est très impatient de devenir une dresseuse. Devoir réapprovisionner les réserves, par contre. Reste des potions pour les autres aventuriers. Pas tout. Salut tout le monde, c'est le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Un, deux, trois, seulement trois enfants cette année. Attendez une seconde. Morveuse, je veux qu'elle est en route. Ouais, attends Caribou, on perd notre temps. Paro, passion, oui. Grande vertu d'un dresseur. Et juste d'inventer ça. Dans point la ligne.
Fabuleux caribou, vous faites l'honneur de sa présence. Sans Amélie. Eh bien, bienvenue les enfants, mon nom est Amélie et je présente la guilde des dresseurs. Chaque année, nous sélectionnons un nombre de jeunes pour devenir des dresseurs de Nexemon et rejoindre nos rangs. Ceci sera le tournant de votre vie. Je suis là pour m'assurer que de votre réussite. Il faudra avoir son propre Nexemon pour s'inscrire, pas vrai? Comme le veut notre tradition, oui, les bois du Nord sont un territoire idéal pour acquérir votre premier compagnon. Vous avez jusqu'à minuit, je viendrai vous chercher dans les bois quand le temps sera écoulé. Vous envoyez un tas d'enfants dans les bois jusqu'à minuit? Ne crains rien, rien ne peut arriver dans cette forêt ancienne. D'accord, tu ne m'as clairement jamais joué auparavant. Pour l'amour de Zard, tout ira bien. Allez, l'horloge tourne. Quelque chose dans l'air aujourd'hui, fais attention ma fille, hâte à toi accomplir cet emoji. Ah, il est où là? Ah, putain. D'accord, voilà le plan. Contrairement aux gens normaux, Coco peut utiliser son sens de l'odorat pour pister n'importe quel Nexemon. Pour nous, voyez dans nos mots, perte de temps. Alors tout seul, bonne chance les gars. Comme tu veux, alors je vais prendre cette route et... Ouais. Ah bon, au moins on a plein de temps. Où est-ce qu'on devrait aller, Caribou? Tu pourrais peut-être aller voir le... Impossible. Caribou, qu'est-ce que tu fais là? Écoute-moi, quelque chose de dangereux vient vers nous. J'ai besoin que tu consentes, Caribou, c'est important! Ton orphelinat à l'orphelinat ne ferait que mettre les autres enfants en danger. Écoute-moi, il y a une fausse statue au nord. Compris, il y a une pièce secrète en dessous où tu peux te cacher. Dépêche-toi, mon temps, notre temps est compté. Pourquoi est-ce que tu trembles? Tu vas aller au nord? Je pense que c'est un chemin aussi bien que les autres, alors pourquoi pas? Salut Omegatsu et Dirty the Streamer. Hey Caribou, regarde, là-bas il y a quelque chose dans le ciel. Waouh, c'est immense. On dirait une étoile filante ou quelque chose dans ce genre, non? Autant faire un vœu, Caribou, voyons. Ce soit une aventure complètement normale et sans incident. Ok. Quoi cette chose? C'est un dragon. Il n'y a pas moyen qu'on puisse échapper à ça. T'es trop lent, Caribou, je te l'avais dit, t'es dépêché. Le dragon est sur tous les lieux possibles. D'accord, calme-toi, petit, c'est le moment idéal pour apprendre à se battre. Le secours arrive. Il faut que tu tiennes bon encore un petit peu, c'est clair? J'ai quelque chose pour toi. Vas-y, prends-en un, ce sera ton compagnon pour la vie, alors choisis bien, Caribou. Tu l'utiliseras pour combattre le dragon, même si ce n'est pour un court moment. Choisir notre premier Nexemon.
écouta très attentivement. Quoi que tout ce sera terminé, personne ne reçoit. Ne doit bien savoir à mon sujet. On prie pas un mot, caribou. Je peux le faire, caribou, je crois en toi. Quel diable fais-tu? Caribou, tu es folle, reviens ici, s'il te plaît! Ça va contre un granon, c'est... T'avais dit de rester à l'arrière! Qu'est-ce qu'on fait? On ne battra jamais un dragon! Allez, viens ici. Même ton courage qu'avec vous, mais pas tous les coups sont faits pour être gagnés. La statue, elle a disparu! C'est notre chance de nous échapper! Pêche-toi, caribou, mince. Lance dans le trou. Hey! Caribou, allez, réveille-toi. On ne risque plus rien maintenant. Peut-être que c'est... Caribou, tes jambes, le dragon les a prises. C'est un eczéma. Un secret. Un secret. Je vais entraîner avec toi, ça va être très... En soi, regarde des endroits, c'est quoi que cette chambre secrète? On ne peut pas retourner dehors avec ce dragon. Essaye, on explore un petit peu. Allez, on explore. Héritage d'une héroïne. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a trouvé un noyau de synergie. Comment j'avais une pioche, maintenant on n'a pas de pioche. La barre, non. Caribou, c'est ça? Ravi de te rencontrer, mon enfant. Je m'appelle. Bon, cela n'a plus d'importance. Eh, c'est un fantôme, c'est une sorte de tombe. Attends-toi, petit, je viens de nous sauver de ce... Pas? Tu as entendu jusqu'au dernier moment. Je vous réalise à quel point cela peut être traumatisant pour un enfant. Bref, le dragon est parti maintenant, donc vous pouvez partir si vous voulez. Qu'est-ce que c'est cet endroit de toute façon? Mon dernier lieu de repos, j'étais une dresseuse avant, comme vous. Ah, vous étiez forte. Dommage, je suppose. J'ai attendu ça, caribou, elle est une vraie dresseuse, elle pourrait nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la réaction normale à avoir quand on parle. Ok, je peux t'apprendre quelque chose. Prendre comment attraper un eczéma, si tu veux. Il y a un bon coin pour cela là-bas. On peut y aller. Littéralement rien se passe, c'est normal ici quand on suit un fantôme dans une grotte sombre. Tu as trouvé une trappe. Tu as trouvé des pièces. Tu as trouvé une.
Ouais, regarde ça. Très beau. Je me demande qui étaient ces clowns. C'étaient les guerriers les plus courageux de ma vie. Spencer. J'ai trouvé une super potion. Très beau, tu ne sais pas, mais nous vivons dans des temps périlleux. Oh, mon est horrible et dégoûtant, en feu, mépris. Déprimant, cassé. Eh oui, on a compris. Tu peux regarder, tu ne trouves pas toujours. Vois cette herbe qui s'agite là-bas? Tu connais avoir un examen sauvage qui se cache à cet endroit. Approche-toi pour en plus. Pas dans l'herbe. Je vais te montrer comment utiliser. Peut-être quelque chose de dû. Mais on n'a qu'à affaiblir un examen et jeter un piège, j'en suis. Possible. D'accord, tu vas capturer un examen. L'état le plus important est de l'affaiblir. Avec des flammes. Pas mal, Kev. Et tu essaies de sauter ce tutoriel, alors finis-en. Merci. Puis tu LB et RB en même temps pour le menu capturer. Dans le moment de réparation et de téléchange en capture, il y a beaucoup de facteurs impliqués comme le PV de ton ennemi. Il faut aussi nourrir les éléments de différents repas pour augmenter les chances, mais tu peux apprendre ça plus tard. Les attrapes est également important, mais pour l'instant, utilisant simplement les attrapes réguliers. Attention, tu as capturé ce conquête. Envoyé au groupe. Waouh, j'ai pogné une seconde skate. Bien joué, il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais t'apprendre, mais tes amis vont peut-être à la recherche sûre quand on se reverra. Attendons, sois prudente, seulement on n'est pas aussi tendre qu'avant. Attention! Oui, bon. Ah, si je disais, j'étais la plus grande dresseuse du monde entier. Portée divine caribou, tu vas bien? Rien vient d'attaquer la région, je vous cherchais. Regarde, c'est madame, rien ne peut arriver dans cette forêt ancienne.
On a été sauvé par un fantôme flippant, en fait. Un fantôme voyant, vous devez avoir des affirmations, tu vois. Dans les bois tout de suite. Moi, jusqu'à la fin de la caribou, je ne sais pas ce qui va passer ensuite. Pas caribou, non. Enfin, un oxymant et qu'il est inévitable, ça ne peut pas faire de mal. Exactement vrai, qu'est-ce qu'il dit? Hey, je vois que tu aimes les nexémans, mais ceux qui sont encore mieux que des animaux bizarres. Quatre beaux, des précieux merveilleux, des éclats élémentaires, des cailloux. Pas des cailloux sans des éclats de mer. Et ouais, les éclats sont des articles de valeur qui servent toutes sortes de fins utiles intéressées. Alors, une fin incroyable. En quelques pièces, vraiment, pioche-pioche, l'outil est important d'extraire et puis. Ça ressemble à une arnaque. Viens te parler quand tu seras prête à faire des meilleurs investissements. Le mineur veut des pièces. Non? Oh, ok. T'as aperçu le dragon? Ah ouais, c'est attirant ce dragon. Oh, ça permet au dresseur des guides de se téléporter à travers le monde, d'accord. Hey Caribou, alors, vous n'avez pas été mangé d'un dragon, hein? Pas cette question. Viens, on se ressemble en haut. Mais des dragons, c'est effrayant, c'est malade mental. Dragon, qu'est-ce que cela veut dire, Amélie? La guilde n'était pas censée surveiller tous les dragons? Ouais, arrêtez de paresser, j'aurais peut-être pu être mangé. Non, cela aurait pu être tragique. Les dragons n'attaquent pas les humains, par conséquent, la seule explication est que le tyran doit être dans les parages. Tout le monde va bien? En tort, Dena. Tyrans, oui, ça doit être ça. Les dragons sont programmés pour chasser les tyrans. C'est ça, comme ça qu'ils fonctionnent. Donc il doit y avoir un tyran pas loin, c'est Orphelina n'est plus en sûr. Ekulo, comment un tyran peut-il se cacher dans un endroit comme celui-ci? On s'en va, je vais escorter les enfants jusqu'à la cité. Je vais pister le tyran moi-même, il ne doit pas être très long. Caribou, avoir beaucoup de pas le moment. Ton destin et le mien ne font plus jamais le temps. Le meilleur pour le pire. Tu es en train de trembler, Caribou? C'est DNA, une dresse au rang qui te dit. Tu es suffisamment dur pour. Une grande master. Vous devez être perturbé, mais notre priorité est de. Dans la cité. Ouais, enfin. Dois-je faire mes bagages? Parti. Allez, attendez-moi. Oh, dehors, faites vite.
On est enfin arrivé, on dirait. Une vraie dresseuse pour protéger en déclin. Nous y trayons. Ne vous y trompez pas, les choses pourraient devenir. Nous vivons dans des temps sombres, comme tu verras bientôt. Qu'est-ce que c'est cette histoire de tyrans et de dragons? Pourquoi avons-nous été attaqués? Ne te préoccupe pas de ces choses-là pour l'instant. Contente-toi de te rendre à la cité. Il n'y a rien pour toi ici, Caillou. Mais un jour peut-être. Donc, c'était tout pour le jeu Noxemon aujourd'hui. Nous continuons l'aventure demain sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!